Salut à tous, c'est Nocturnax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle box qu'on va essayer aujourd'hui ensemble, qui nous provient de chez HelloFresh, comme indiqué ici. Et le thème, du coup, c'est à vos fourneaux parce que il y a des produits frais qui sont dedans, comme marqué juste ici. Donc, cette boîte, c'est vraiment un pur essai aujourd'hui. Si ça me convient, si ça vous convient, peut-être qu'il y en aura d'autres. Par contre, si ça ne me convient pas, bah, il n'y en aura pas d'autres. Mais pour l'instant, celle-ci, c'est un test. J'attendrai vos retours, j'attendrai mes retours, mes attentes, etc., etc. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de cette boîte, la première, qui est de chez HelloFresh, avec notre ami Harry. Parce que Harry Cutter. Ok, d'accord, j'arrête. Vous voyez, il y a déjà pas mal de trucs intéressants. Je vais le mettre de côté. Parce que c'est comme une dégustabox, hein, pareil. Bon, là, c'est HelloFresh. Oh, elle est vachement grosse, hein, la boîte. On va mettre ça comme ça pour vous. Hein, voilà. On dit, c'est bien frais. Oh la vache. Donc là, il y a ça dedans. HelloFresh menu. C'est une enveloppe. On l'ouvrira tout à l'heure, en fin de vidéo. Alors, on a dedans du persil frisé. On a champignons de Paris. C'est l'apéro. C'est l'apéro. C'est important, l'apéro. Très important. C'est une chose qui nous est maintenant un peu plus difficile ces derniers temps. On a des graines de courge. D'accord. On a des dés de lard. Et c'est bien frais. Enfin, je pense à mettre tout ça au frigo à fissa après. On a de la coriandre. Toujours de France, hein, quand même. Mais ça là-bas. Alors ça, si je ne m'abuse, ça doit être un petit citron, ça. Petit citron vert, même. Si je m'abuse. Je sais pas trop. Alors là, on a un autre sachet chou blanc et carottes. Ça peut être bronzy, ça. On a une petite tomate. On a sa cousine, l'autre tomate. Qu'est-ce que c'est que ça? Ha! Chutney de mangue. Je pense que si une personne voit ça, va peut-être faire un sourire. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? Pecorino râpé. Oui. Eh ben, je vous dis, il y en a des trucs dedans. Ouh! Alors là, il y a encore beaucoup. Hein. C'est pour ça que je fais en sorte d'aller très vite. Du filet de lieu jaune. Par contre, c'est surgelé, ça s'ouvre. Hein. On a un petit sachet de... Je sais pas. Épices... Ah bah oui, c'est marqué dessus. Épices mexicaines. On a encore tortilla x6. Avec tout ce qu'il y a dans la boîte là, ça rentrera jamais dans le cadre. Ah bah le voilà. Votre allié
La prochaine fois, vous partez à la plage, gardez votre nourriture au frais grâce à cette poche de glace HelloFresh. Donc, du coup, on a une poche de glace. On va mettre ça sur le poisson-courrier. De la mayonnaise. Alors, le premier petit bac de chez HelloFresh est terminé. On a un autre petit bac. Là, c'est... Ah! Des spaghettis. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, ça sert... Crème à fouetter biologique. Ok, d'accord. 23,05. Ah bah dis, c'est très court, hein. C'est très 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 court. On a de la Porto Bello. On dirait des... Ouais, c'est des champignons. On a... Ça, je ne vous le dis pas ce que c'est. Vous l'aurez tous reconnu. On a ça aussi dedans. Une petite gousse d'ail avec un petit oignon. Et le deuxième, petite pochette, est terminé. Nous avons encore une troisième pochette et ce sera la dernière. Et encore une petite gousse. Nous avons de la ricotta qui va être posée là. Parce que je sais pour le mettre. À noter que la boîte à manger, hein, elle a dégusté celle-là. Et sinon, c'est du pesto vert. Du pesto vert. Planquez-vous, planquez-vous, je sers mon pesto vert. Un oignon rouge. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Italienne. Oignon, poivron, herbe, origan. Un mélange d'épices sûrement. Dites-moi ce que c'est, hein. Un mini filet de pommes de terre. C'est de la grenaille. Pays d'origine, Pays-Bas. Variété Jay-Z. À conserver au frais à l'abri de la lumière. Voilà, pour l'instant, pour faire la vidéo, j'ai besoin d'un peu de lumière quand même. Hein. On va pas être dans le noir. Un petit poivron jaune. Un petit et gros quand même. Hein. Des tomates cerises. Bon, c'est une petite boîte. Ils auraient pu la remplir entièrement. Ils sont radins quand même. Hein. Et nous terminons tout ça avec une aubergine. Et l'autre, j'ai oublié le nom. Bref, voilà. Putain, ils sont bien froids par contre, hein. Et du coup, la troisième et dernière petite poche est terminée. Je vous montre que le carton est bien vide quand même. Vous voyez. Du coup, vous pouvez constater que j'ai enlevé tous les produits frais, j'ai laissé ceux qui ne craignent pas de rester dehors. Donc c'est pour ça que la vidéo, elle ne concorde pas vraiment à ce que vous allez voir. Mais c'est pour vous montrer du coup le menu qui est ici. Du coup, je l'ouvre, hein. Hop, on arrache tout. On arrache tout. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors du coup, on va commencer avec ce petit livre. Je prends ça au hasard. D'accord? Ok. Bon, les feuilles sont épaisses, hein.
J'arrive pas à les ouvrir correctement. Ouais, d'accord. Ça explique pas grand-chose, hein. Bon, d'accord, c'est la gueule du gars qui a récolté ça. Ça va indispensable. Ok, d'accord. Bon, on s'en branle un peu, quoi. Ah! Ben voilà ce qui nous intéresse. Wrap de lieu jaune et chutney de mangue. Ah, bah voilà, du coup on a besoin des filets de lieu jaune, épices mexicaines, tomates, coriandre, citron vert, ouais, j'avais raison, chou blanc, la mayo, tortilla et chutney de mangue. Voilà, et du coup il y a toutes les étapes. Ok, bah c'est ouais, ça c'est très très bien ça. Je vous le laisse, hein, du coup, je vous le redonne comme ça, tac. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre pause et puis vous servir de cette image pour pouvoir effectuer la recette si vous le souhaitez. Nous avons spaghetti au lardon et champignons à la crème. Donc vous voyez la liste des ingrédients ici. Gousse d'ail, échalote, champignons, portobello, persil frais, spaghetti, lardon, citron jaune, crème liquide, pecorino râpé. Voilà les étapes à réaliser. Je vous le mets là comme ça. Vous n'avez plus qu'à suivre, mettre pause. Voilà. C'est vraiment sympa ça, par contre. C'est des bonnes fiches pratiques. Nous avons un repas veggie. Légumes d'été, confit au four. Du coup, nous avons la grenaille, pesto vert, on s'en fout. Poivron jaune, aubergine, la courgette, c'est ça qui nous manquait tout à l'heure, oignon rouge, gousse d'ail, épices italiennes, tomates cerises, graines de courge qui sont là, et la ricotta. Du coup, voilà l'étape à réaliser pour ce plat veggie. Ouais, j'essaie de vous le cadrer bien comme il faut. Voilà. Nous avons encore un autre papelard. Partagez votre amour pour les bons petits plats maison. Offrez 60 euros de réduction et à vos proches recevez 30 euros. Ouais, bon. Faites comme vous le souhaitez, hein. Et au menu. Ah bah voilà. Du coup, au menu, on a tout ça. Voilà. Ça a l'air bon, ça, quand même. Rapido, veggie, premium, famille, équilibré. Et on a wow, quand même pas mal de recettes quand même, hein, mais bon. Alors si vous entendez un bébé, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils, il fait sa vie de son côté. Ouais, c'est sympa tout ça, c'est sympa. Il propose des bonnes fiches par contre. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo de produits frais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un maximum de pouces bleus. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. C'était Nocturnax. Ciao tout le monde!